Moi, je vais répondre à une seule question. En 80-2001, l'objectif principal de ma remarque, c'est de ne pas mettre tous les événements dans le même sac, sans discernement, sans analyse. Et puis il n'y a pas d'analyse. Donc je ne vais pas revenir sur 80. Bon, Fkir de Lina, à mon avis, les principales valeurs, les principales vertus du mouvement de 80, mouvement pacifique, mouvement démocratique, la première mesure qui a été prise, c'est de fermer, de sécuriser l'université elle-même. Ils ont tapé pour y arriver pendant les événements de 80. Ce n'est pas parce que des événements ont lieu dans la même région qu'il y a une continuité, qu'il y a une filiation absolue. Il y a des choses qui sont communes. Il y a des choses qui sont communes. Ça s'est passé Gyusentumurt, etc. Mais bon, il y a aussi beaucoup de différences quant au fond. Les différences qui des choses. Je considère que le mouvement de 2001, jusqu'à la grande manifestation du 14 juin, ça a été un mouvement citoyen formidable. Si le 14 juin de Saoun, c'est la grande manipulation. Voilà la grande différence, l'une des grandes différences. L'apparition de la violence. De la violence de la part de certains animateurs en pleine université. Qui se présente comme étant représentant de la roche. Elle dit, oui, ça crée l'essence. Il demande aux enseignants, la démocratie fait guerre. Voilà, donc la violence. Je considère qu'il y a eu des pratiques fascisantes. En termes de sociologie. Je considère que les événements de 2001, ça a été une opération de nettoyage politique de la Kabylie. C'est politiquement. Ou de genre, la politique tazdiyante, l'ithmour de l'Akbayir. Ce n'est pas fini, on paye encore les pots cassés. Ce sont les Snigerens, l'association, l'opposition, un Snigerens, ou bien souffrant de Nizning et Gazninsen, souffrant de Nizning les acteurs. Et qui n'y a pas de Ahmed Tourab Sifilek, Athachifi, je ne vais pas évoquer des personnes. Il bosse la dame, il y a un reportage d'Arte. C'est ça la grande différence. 80, ça a été un mouvement formidable, historique, qui a bouleversé l'Algérie, l'Afrique du Nord. En 2001, c'est le 14 juin de Saoun, ça a été un mouvement de régression. On paye encore les pots cassés en 2001. Parce que si 2001 de Saoun, il souffre, c'est des chefs de guerre, Voilà la grande différence. C'est pour ça que je ne mets pas ces événements dans le même sac. Je dirais même qu'ils sont antinomiques, ils sont contradictoires. Ils n'appartiennent pas à la même planète. Idéologique, la politique, en termes de valeurs. Donc, bon, je dis encore plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ma conviction profonde. J'ai déjà écrit ça dans une petite revue. Voilà.